Alors bonjour, oui, je présente ce projet, le projet Homéox, un projet portant sur la controverse de l'homéopathie, projet sociétal. Il est mené par une équipe de travail pluridisciplinaire composée de 14 personnes, enseignants, chercheurs de sciences de l'éducation, de sciences de l'information et de la communication, ou encore scientifiques et pharmaciens. Cette équipe de travail qui constitue ce projet indépendant, sociétal et non financé, donc financé uniquement par don participatif hein, de la société, a pour enjeu finalement de définir, d'essayer de comprendre pourquoi chaque individu va s'orienter, se positionner en faveur ou en défaveur de l'homéopathie. Pour ce faire, une méthodologie a été développée qui va se décliner en analyse de la sphère médiatique, en questionnaire, mais également en entretien, directif, semi-directif ou en récit de vie, selon les objets d'études fixés, et ce pour différents publics, grand public ou des publics ciblés, essayant d'étudier l'ensemble des acteurs sociétaux impliqués dans cette controverse sur l'homéopathie. L'enjeu final de cette étude sera de définir donc les représentations, ce que chaque individu possède comme vision sur l'homéopathie et qui l'oriente vers son choix en faveur ou en défaveur de ce sujet, et puis également d'établir une cartographie sur la controverse de l'homéopathie alimentée par les représentations des différents acteurs qu'on aura pu cibler et analyser. Et enfin, nous essaierons d'établir un rapport pour les pouvoirs publics afin d'essayer d'élargir la réflexion sur cette thématique qui est assez sensible et peut-être permettre de participer à l'amélioration de la communication science-société sur ce thème de l'homéopathie. Voilà.